Bonjour et bienvenue un peu plus de Escape from Tarkov. On va faire une rotation pour Glukar. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire une quête extrêmement relou. Glukar veut pas apparaître. Je suis à 6 sur 15. Je sais pas. Normalement, c'est 30% les boss. Genre, Sturman, c'était plutôt genre 80% du temps. Il était là. En plus, Sturman, c'est ligne droite, donc c'était super simple. Mais Glukar, j'ai un problème avec lui. Donc, les 30% sont vraiment bas. Bah, étrangement. Donc, je me suis dit, tiens, on va montrer en fait mon optimisation de la route. Donc, grosso modo, en 10-15 minutes, grand maximum 20 minutes si on a beaucoup de combats de PMC, je fais la carte entière, techniquement, à tous les spawns en fait de Glukar. Donc, je voulais tout simplement le montrer. Techniquement, Glukar étant un des boss les plus difficiles, pas parce que lui-même est difficile, même s'il peut avoir des très bonnes armes, comme par exemple le H12, avec des balles qui one-tap quasiment. Mais il n'est pas très bien protégé, tout ça, vous lui tirez deux balles dans la tête, il meurt, enfin voilà quoi. Par contre, il a 6 gardes, et les 6 gardes sont très agressifs à chaque fois. Ils marchent par paire en plus, donc ils sont très dangereux. Du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas montrer. Est-ce qu'on est bon? Donc j'utilise ça pour le moment parce que je suis en train d'augmenter. J'ai trouvé une bonne arme pour le 5.45 parce que le 5.45 honnêtement c'est un calibre que j'aime pas du tout. Mais on a un mélange en fait de BS et de 7N. Donc on a une BS, on a 50-50 en fait dans les chargeurs. Donc on a une BS et une 7N à chaque fois. Donc ça passe à la 4, ça passe à la 5. Donc du coup avec deux balles dans la tête à Glukar il meurt. Donc techniquement deux balles ça tue tout le monde, tous les boss. Donc enfin non pas tous les boss mais Glukar en tout cas. On va y aller, donc il vous faut un scope parce que voilà. J'ai mis un lance-grenade dessous parce que j'aime bien les lance-grenades et surtout c'est que ça réduit beaucoup le recul en fait de cette arme étrangement. Et après on a un sniper, pour le moment je suis en train d'augmenter ça donc voilà on va à la thermique. On a des chargeurs, on a des chargeurs. Il vous faut une Red Rebel aussi et une corde, la paracorde, parce qu'on va quitter en fait le réserve par le dôme étant le plus simple. Donc on y va. Après, techniquement, vous vous équipez un peu comme vous voulez, hein. C'est juste que c'est ce que je suis en train de monter pour le moment. Tiens, on va y aller là. Bon, on sera pas de nuit exactement. C'est parti. On sera pas de nuit, c'est pas très grave. Je joue à la lampe moi maintenant. Si vous avez vu pas mal de vidéos, vous avez remarqué que je joue en fait toujours à la lampe maintenant. À la lampe torche sur le casque, j'utilise ce casque-là. Il y a d'autres casques hein, bien sûr. Hein. Vous pouvez mettre une lampe. Mais j'avoue que la NVG, ça me gave au bout d'un moment de voir tout le temps en vert. Ou même après, on peut faire des filtres pour voir en blanc, en noir et blanc. C'est pas mal, il paraît, ça abîme moins. Enfin, ça fatigue moins l'œil et tout ça. Enfin bref. Mais moi je préfère quand même la lampe torche, c'est plus fun honnêtement. Et ça me permet de tout le temps avoir un gros casque en fait. Donc je suis content. Mais voilà, sinon je vous conseille des armes peut-être un peu plus grosses en fait. Le 5.45 est un peu bas comme j'ai dit. Mais bon, on se débrouille bien avec ça, donc on continue. Aussi j'ai pris cet AK parce qu'il a 700 de RPM, qui est le plus rapide en fait pour le 5.45. Donc c'est assez intéressant en fait cette arme. Par contre, elle est quasiment... Il y a très très peu de mods. Eh ben on a un spawn de merde, c'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas spawn en dessous. Ah oui, il y a ma lampe qui bug. Et la lampe bug en ce moment, je sais pas pourquoi. Attendez, regardez ça. Hop. Vous voyez, elle veut plus s'éteindre et tout. Ah, c'est n'importe quoi ce jeu. Ah, il est 1.0 ready. Hein. 1.0 ready. Ça fait super longtemps que j'ai pas spawn. Dessous. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Il y en a beaucoup, hein, dis-moi. Attendez, parce que faut faire gaffe aux grenades. Faut faire gaffe aux grenades, en fait. Quand ils vous voient comme ça, ils aiment bien grenader à fond. Donc, je crois que ça, c'est des PMC, vu que ça a gueulé en russe. Il est pas mal, hein? Le AK, non? Non? Il est pas mal, hein? J'aime bien, honnêtement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Le AK-12. Mais comme j'ai dit, par contre, il est super immodable, honnêtement. Genre, ça, c'est le meilleur mode que j'ai trouvé pour le recul et pour l'ergo.
J'aurais bien voulu avoir plus d'ergo pour utiliser des chargeurs 60. Parce que j'aime bien les chargeurs 60. Mais c'est un peu la catastrophe. Donc du coup, j'utilise des 45 au maximum. Ah, on est bon. Donc c'était quoi, Raider ou PMC? Je crois que c'était... Bah quoi que ça peut être Raider en fait. Voilà, on a tué tout le monde. Très bien, 1, 2, 3, 4 je crois en tout. Voire même 5. Ouais, c'est Raider. Vous avez quoi les gens? PS, on s'en tape. Bien. Un M6, c'est pas mal ça. Il n'y a rien qui m'intéresse en fait. FMJ, on s'en fout. Rien d'intéressant aussi. Pas la tête. Par contre là du coup on utilise un peu trop de balles. Et peut-être que le raid va durer un peu plus longtemps que prévu. Alors, on va essayer d'aller vite. Ok, toi je t'ai fait, toi je t'ai fait. Il reste plus que là. On les a vite tués les raiders, hein. Honnêtement on a bien joué. Précis. Ah ça c'est PMC. 856 à 1, ça m'intéresse pas. Et là, on a rien du tout qui m'intéresse non plus. Parti, let's go. Donc là, du coup, vu qu'on est sur le en sous-sol, moi, ce que je fais, c'est qu'on peut se permettre d'aller au dôme directement et regarder s'il y a du monde, en fait. Bon, avec notre scope. Donc on va faire ça. Mais honnêtement, je comptais pas en fait apparaître là pour vous montrer directement comment on peut faire la carte en entier. Il y a un truc. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On la fera différemment du coup. Donc c'est pas mal. J'ai pas de balles extra. Deux balles supplémentaires, j'en ai pas parce que je déteste remag mes chargeurs, honnêtement. De faire des remag en général. J'aime bien avoir des gros chargeurs, tout simplement. Et j'avoue que je suis assez bon pour. Comment dire? Pour juger en fait la longueur du raid et ce que je vais combattre. Donc là, on a largement assez de balles. Et puis après, j'ai le M1A, là, il y a un chargeur de 50 dedans. Avec des M80, donc honnêtement, il n'y a pas vraiment de problème. M80, tout le monde meurt facilement. Ah, faire gaffe par contre aux grenades, ouais, elles ont tendance à mal se placer. Donc, du coup, on peut perdre le chargeur comme ça. On va vite, hein, on va super vite. Honnêtement. Ok, je peux pas. Je peux pas éteindre la lampe. Okay. Ah, regarde, j'ai encore la lampe du casque alors que j'ai retiré la lampe. Ça y est, on peut. On a une lampe invisible. Vous avez vu? Parce que là, il n'y a pas de lampe, théoriquement. Mais vous voyez que sur l'image, en fait, là, il y a une lampe. Me demandez pas ce qui se passe. Me demandez pas ce qui se passe. Faut demander à Nikita. Il est très très buggé ce casque. Il est extrêmement bugué. Alors. Il y a du monde à l'intérieur. Oh, il y a du monde à l'intérieur. Il y a peut-être Glucard. Vous voyez? Vous voyez que la thermique, on voit là. On voit ici. Donc il y a potentiellement Glucard. Ou alors des PMC.
C'est peut-être aussi des PMC. Par contre, c'est vrai que les gardes du Glukhar, ils ont tendance à en avoir deux, genre ici, genre à l'extérieur, et Glukhar, il est dans le renfoncement là-bas avec d'autres gardes. Donc, ouais. Des fois, il apparaît aussi à l'arrière, donc c'est bien de regarder à l'arrière. Après, Glukhar, il peut apparaître aussi au-dessus, genre là, ici, et après, il descend directement dans les sous-sols. On va y aller au sous-sol, je vais vous montrer par où je passe. Et après, on a le bâtiment 1. On peut regarder s'il y a du monde ou pas. Je vois pas grand-chose. Je les ai pas combattus encore dans le bâtiment 1 ou 2. Je les ai pas combattus. Donc je sais pas trop comment ils fonctionnent à l'intérieur. Mais là on voit pas grand-chose. Donc le pion noir et... Ça c'est quoi? Quoi comme bâtiment? Je sais plus. Le fou. C'est le fou ça, hein? Ça? Allez, on y va. On y va. On s'est fait toucher ou pas? Même pas. Très bien. Arrête de regarder le chargeur. On va déjà regarder. Alors, on va se... Ah, ça tire à l'intérieur. Donc, techniquement, c'est quelque chose qui est agressif aux scavs. Donc, c'est bon signe. C'est potentiellement agressif aux scavs, donc ça veut dire c'est ou PMC ou Glukhar, avec de la chance. Très bien. Alors, nous, on va passer par l'arrière. On va prendre ça. Painkiller, juste avant le combat, juste au cas où. Ok, bouge comme ça, très bien. Alors, est-ce qu'il y a du monde à l'extérieur? Ok. J'aurais dû regarder s'il avait des tatouages sur ses bras et la couleur de son pantalon. Parce que ça indique souvent si c'est des gardes en fait à Glukhar. J'ai peur que ça soit du PMC honnêtement. J'ai très peur que ce soit du PMC. Alors là, on pointe toujours vers cette ça, vers l'ouverture. Et maintenant, là, ça devient tricky. Là, faut faire un peu attention. Ok. Très bien, on utilise le camion pour se protéger. Faut faire attention à cette fenêtre. Des fois, il y a du monde à la fenêtre. Alors, on décale doucement. Faire gaffe à cette porte. Ok, c'est fermé, ça marche. Ok, on est libre d'y aller. Faire attention, ils font le tour des fois, comme là. Il y en a encore un autre à l'intérieur à gauche. On l'entend. Je crois qu'il y a un scav qui lui tire dessus. C'est pas Glukhar ça? Non, j'ai eu peur. On a un scaf sur la gueule. On regarde les chargeurs, ce qu'il y a dedans. Okay, 15. On va fermer la porte. C'est quoi ça? Ok.
d'accord. Je... Bon, je t'ai peut-être pas tiré dans la tête, mais je t'ai quand même tiré dans le torse, dans le... Voilà, ouais, 2 balles, ça devrait y aller quand même. Un peu... Ouais, ça va. Il a pas des balles qui transpercent, donc ça va, la plaque, elle a pas pris grand-chose. Ok, très bien. Il y a du monde en face. Ok. Ok, il y en a plus. On est abonné au PMC apparemment. On est abonné au PMC. Je crois qu'il y a encore un groupe de 3 PMC en face. Je dirais 3 au moins. Okay. On va vite. Parce que si jamais ils nous rush, on n'aura pas le temps de soigner et tout ça. Non, on est bon. J'aurais pu faire l'adrénaline directement, mais là je l'ai pas fait parce qu'on était hors de portée honnêtement. Donc on risque pas grand chose. On regarde si on doit pas inverser nos plaques. 37-43. Ouais, ça va. Est-ce qu'on a... Ouais. Allez, vas-y. On va faire ça quand même. Je crois qu'ils sont dans le bâtiment. J'ai entendu des tout petits bruits. Ils sont dans le bâtiment. Où il y a du scav aussi, je pense. J'avoue qu'il me faut un peu chier là les trucs. Oh putain, il est encore en face. Très bien. La porte aide. Hein. Oh la tache de sang. La porte protège énormément. J'adore la thermique. Ouais, ça c'est du PMC, ça. Ouais. On pourrait aller les looter, mais honnêtement, j'en ai un peu rien à faire. Ça. C'est pour ça que cette porte-là, elle est vachement bien. Je l'utilise souvent pour me protéger. Ça c'est quoi? Ça c'est du lourd. On peut le prendre avec nous. Il me faut des plaques lourdes pour les réparer. Ok, très bien. On va pas y aller hein, de toute façon. Donc. Donc, Glucar. Fais voir. Toi. T'as quoi là-dedans? Rien d'intéressant apparemment. C'est quoi tout ce bordel? Alors, comme j'ai dit, Glucar, donc c'est dans cet endroit ici, où on est, le garage. Ou alors, derrière le garage. Donc... Très bien. Donc ici, donc faut faire attention. Donc moi je fais comme ça, genre à l'arrière je fais garage. Et après on va passer sous-sol et on va checker la gare en même temps, ok? Donc on y va. Allez, on y va.
faire attention quand on sort, si on ne va pas encore se taper des PMC, parce que ça serait drôle, sinon ce serait comique. Ok, on y va. Donc moi, ce que je fais, il y a du mec à droite. On utilise le camion pour se protéger. Très bien. Il y a du scav. Très bien. Il y a beaucoup de... C'est pour ça que je préfère partir la nuit. Je préfère partir la nuit parce que comme ça, il y a moins de monde. Donc. Ça gueule pas. Parce que normalement, il y a ce comte Glucard et ses gardes qui aiment bien rester dans les wagons. En fait, et ils campent dans les wagons. Donc du coup, une grenade au-dessus de la gare et normalement, vous les entendez gueuler directement. Donc il n'y a pas eu de gueulement, donc ils sont pas là. Maintenant, après, moi, je passe par là. Là, c'est le meilleur endroit pour les intercepter au sous-sol. Parce que du coup, ils ont une, juste à cette porte pour venir vous voir. Là aussi, ça gueule pas. Donc voilà. Donc là, on a fait déjà plein de spawns. On a fait déjà la gare, on a fait le sous-sol, on a fait le garage en très peu de temps. Donc ça, c'est bien. On va se remettre ça. Hop. Faire attention quand on ressort, si jamais il y a du monde ou pas. Très bien. Nickel. Ok. Commence à faire nuit. C'est pour ça que j'aime bien les lampes. Aïe. Il est où ce con? On s'en fout. Après, je passe par là. Honnêtement, ça devait être court, mais en fait, c'est un peu long. Parce que du coup, on est tombé sur énormément de combats. Alors, je fais une pause ici, normalement. Je vais... Voilà, je vérifie s'il n'y a pas des saloperies de PMC qui... il y a masse de PMC, c'est abusé. J'en ai jamais vu autant. Bon, peut-être pas, mais si, si, j'en ai déjà vu beaucoup. Mais... Là, je regarde là, parce qu'on va passer par là. Nous. C'est encore un PMC? T'es sérieux? Ah ouais. Ça marche. Très bien. Ça. On s'en fout. Très bien. Scout, maintenant, faire attention parce que des fois ils sont à droite. Très bien. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. On passe par là. Et là, on fait bâtiment 1 et 2 et après, on sort. Et on est parti. On est à 22. Ça va. On est à 22. On a encore... Combien? Un chargeur plein. Ça va. Ça va, ça va. Grenade. On écoute si ça gueule ou pas. C'est une grenade qui pète rapidement. J'ai pas fait attention. Faut faire gaffe. C'est pour ça que des fois, les grenades qui pètent rapidement, là, les 3 secondes, je les prends pas sur moi. Je l'aime pas. Parce que là, on les a récupérés des PMC, mais je les aime pas, honnêtement. Je préfère les 5 secondes. Les M67, elles sont superbes. On peut les balancer méga loin et tout. Ok. Je pense que ça a pas gueulé. Parce que maintenant, le son est un peu étrange. Dans le sens où les murs, les portes fermées et tout ça bloquent le son. Même si le son est proche en fait. Ok, hop. Ça marche, on va se mettre là. Là il y a un truc PC, je le fais toujours parce qu'il est toujours là lui. Très bien. Je mets pas les choses dans le gilet pour le moment parce que je sais pas si le gilet je vais le garder en fait. Alors faites voir un peu les trucs. Ok. On va changer de chargeur, on va mettre le 30 parce que là on est au dernier bâtiment, puis après on se casse. On va se remettre en M1A. Très bien. Après moi je regarde par là, par la fenêtre, en M1A. Parce qu'ils peuvent se mettre dans les buissons et tout ça, c'est galère honnêtement. Donc vive la thermique quoi.
y a quelqu'un qui s'amuse avec une porte. Alors là, faut faire gaffe parce que ça peut être PMC Land. Ok. J'ai entendu un grenada. Alors, celui qui s'amuse avec la porte, il est là. Il est ici. Il est là. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais il y a toujours un scav en fait qui s'amuse avec une porte ici. C'est ou cette porte là ou la porte d'à côté. Très bizarre. Ils adorent faire ça, les scavs. Bon, du coup, ça a pas gueulé. Donc, pas de personne en fait. Enfin, après, il y a peut-être des PMC qui campent. C'est possible qu'ils fassent pas de bruit ou pas trop de bruit comparé à Glukar et ses gardes. Donc, faut faire attention parce que des fois, il y en a qui m'ont un peu bloqué en fait dans les escaliers. Donc, faut faire attention. Hop, on passe. Personne à gueuler, on est bon. Et on peut partir. Et on a fini notre ronde. Même si notre ronde a duré beaucoup plus longtemps que prévu, honnêtement. Voilà. Alors là, c'est un peu chiant, mais... Ok, très bien. Faut sauter, s'accroupir en même temps, c'est relou, honnêtement. Je sais pas pourquoi notre PMC il veut pas enjamber la fenêtre en fait de l'intérieur. Mais bon, voilà, faut sauter sur le côté et s'accroupir en même temps et ça passe normalement à 100% tout le temps. Et on est bon, on a fini. Et là, on a fait techniquement tous les spawns de Glukar. Alors, comme j'ai dit, Glukar peut apparaître, on va dire, un peu autour de la zone. Mais les zones où il reste, c'est wagon dans la gare, c'est en dessous où on était, là où j'ai balancé une grenade. C'est le garage où on était aussi, où on a combattu des PMC. Après, c'est bâtiment 1 et bâtiment 2, et là, on les a fait. Et là, c'est fini. On a fait le tour de réserve en moins de 20 minutes, je pense. Enfin, quoique, non, peut-être un peu plus longtemps, parce qu'on a combattu, on a beaucoup combattu au début. Et on peut se casser. Donc, grosso modo, c'est ce que je fais en boucle. Et honnêtement, à chaque fois, je le trouve. S'il est là, je le trouve. Il n'y a aucun problème, parce que je fais vraiment tous les spawns et tous les emplacements où il est censé être. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Et puis, encore une fois, Glukar, il n'est pas discret. Car il a ses gardes en fait, il y en a deux qui restent tout le temps près de lui, après il y en a deux qui sont à mi-distance, et après il y en a deux, c'est des scouts en fait, ils sont toujours assez loin de lui, ils sont à une trentaine, quarantaine de mètres en fait de lui, et ils se déplacent pas mal à faire le tour. Ouais, 24 minutes, vous voyez, 24 minutes alors qu'on a beaucoup combattu. Et on est tombé sur les raiders au tout début, oui, bien 21 personnes. Ouais, on est tombé sur les raiders en dessous, donc ouais. Donc ouais, raider, PMC... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 PMC, 4 raiders, ça va, c'est cool. Tada! C'est ce que je fais depuis... Ça va faire 4 jours. Genre, tous les soirs, je fais, allez, 3-4 raids, parce que j'ai pas beaucoup le temps en ce moment de faire du Tarkov. Et du coup, je fais ça. Voilà. Honnêtement, ça devient super redondant et chiant, mais je voudrais tellement la finir, cette quête. Et j'avoue que Glukar, en fait, les 30%, bah, c'est pas les mêmes 30% que Sturman, par exemple. Sturman, il était, mais là, mais quasi... Genre, 3 raids sur 4, il y avait Sturman. C'était ultra simple. C'est genre, en 2 soirées, j'avais fini Sturman 15 fois. Et j'avais vraiment pas beaucoup joué. Donc, j'étais assez surpris. Mais là, Glukar, non. Glukar, il veut faire chier. Donc ouais, c'est la ronde que je fais, si ça peut vous aider en fait, si vous faites des quêtes comme ça où vous cherchez Glukar. Grosso modo, c'est la ronde que je fais, voilà. C'est les endroits qu'il faut checker facilement, vous pouvez avoir l'avantage. Comme je dis à chaque fois, je prends les couloirs. Bah, là, je peux pas vraiment vous montrer en fait des combats, parce que j'ai pas enregistré vraiment des combats avec Glukar. Mais ce que je fais, c'est que j'essaye toujours de rester en intérieur avec des portes, comme j'ai montré en fait, comme la façon dont j'arrivais dans le garage, dans la façon dont j'arrivais dans le sous-sol, ou dans les bâtiments 1 et 2 par exemple, comme ça on n'arrive pas vers les portes principales, en fait on arrive par le dessus. Donc comme ça on a toujours l'avantage en fait de devoir les canaliser dans une porte, et du coup on les descend en fait les uns après les autres. Honnêtement, si vous faites comme ça, que vous canalisez en fait tous ces gardes dans une porte, ils sont ultra simples, parce qu'ils viennent littéralement se tuer en fait sur vous.
Donc faut faire juste attention aux grenades ou des trucs comme ça, ou quand ils rushent à plusieurs en fait. Mais sinon, c'est pas très compliqué en fait. Donc c'est comme ça que je tourne en fait sur réserve. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous voulez rajouter quelques petits conseils ou des choses comme ça, peut-être voir un peu de combat, j'essaierai d'en enregistrer pour Glukar. Mais honnêtement, Glukar c'est chiant. On le voit pas souvent. Après, résultat des courses pour l'armure, on s'est fait un peu toucher parce qu'on est resté un peu bloqué dans les garages. Le casque aussi a pris un peu. Genre, vous voyez, nappe, on a pris un peu. Donc, faut faire attention. Donc, c'est pour ça que j'y vais à chaque fois bien stuffé. Mais voilà, on a eu suffisamment de balles. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a eu aucun problème. On n'a pas vraiment été en difficulté ou quoi que ce soit. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Pensez à aimer la vidéo. Regardez la description si vous voulez voir plus de Escape from Tarkov. Ciao, ciao! Avant de nous quitter, pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes et bien entendu un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.